bonjour. Donc, vous êtes la présidente des voitures anciennes de Olédi d'Alérac. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, donc, journée des associations. Comment se passe cette journée? Je peux dire que c'est une très belle journée. D'abord, nous avons le temps. Mmh. En plus, nous avons un nombre important de voitures présentes. Et en plus, nous avons eu beaucoup de visiteurs qui sont venus récupérer le questionnaire et jouer pour gagner le lot à la fin de la journée. Mais dans l'ensemble, les enfants participent beaucoup et ils sont très intéressés. Donc vous êtes le président alors, de l'aéromobilisme d'Alérac. Tout à fait, oui. Voilà, donc aujourd'hui, journée des associations. Avec le soleil, donc vous profitez de la piste enherbée du stade d'Alérac. Tout à fait. Comment se passe cette journée? Mais très bien, effectivement, vu les bonnes conditions météo et une piste excellemment entretenue, on peut faire des démonstrations de vol, ce qui est toujours très intéressant. Et ensuite, on a une bonne fréquentation du stand, qui grâce à, je dirais, là, au principe du passeport, ces questions, font venir les gens, permettent de discuter, donc pour nous c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Bonjour, vous représentez l'association Aléclic, association tournée vers la photo et la vidéo. Tout à fait. Comment se passe cette journée de la fête des associations pour vous? Eh bien, écoutez, elle se passe pas trop mal parce qu'en fait quand il y a du monde qui vient se renseigner, il y a des petits jeunes qui veulent comprendre comment ça se passe la photo, et à quoi on va servir en fait. Donc on va servir à apprendre à mieux prendre les photos, à mieux créer des films, à faire des choses, à faire des montages aussi. Donc je pense qu'on est ouvert à beaucoup de monde et je pense que les gens sont conquis de ça en fait. Ils sont conquis de l'apprentissage qu'on va leur donner, qu'on va leur offrir en fait. Voilà. On y va, approchez-vous. Allez, on y va. Voilà. Bravo. Allez, on va faire une distribution gratuite de morceaux. Voilà. C'est des ciseaux de la farfouille. Allez. On n'a pas trop d'argent, hein, Vitor. Trop de place, hein. Tout bien, c'est là-haut. Allez, puis on prend le reste. On vous le découpera tout à l'heure. Allez. Ben, c'est du coup de cette aïeuse, hein. Voilà, nous avons inauguré, nous allons visiter. Hein, une fois que tout sera fait. Alors, tu es bien ici, Alexis? C'est parfait, c'est la plus belle maison que j'ai jamais eue. Oh, bon. Parce que la dernière fois, si je ne m'abuse, lorsque je vous ai vu, vous étiez sur une chariot parce que vous étiez cassé le pied. Donc, comme quoi, vous voyez, un an après, vous avez de la mémoire. Je me souviens pas de mémoire. Parce qu'on se souvient des gens que l'on aime. Et je sais le rôle qu'elle joue, notamment à l'Afdaïm. Et puis avec tout ce dont elle a la charge dans ce secteur. Et je veux vous saluer à travers vous, tous vos amis, tous nos amis qui sont ici rassemblés. Vous savez qu'Alérac est un haut lieu, et vous le savez. Vous le savez puisque depuis toujours, et grâce à Alain, pour l'essentiel, et à l'appui de la municipalité, même si nous ne faisons la course avec personne, nous sommes toujours les premiers à l'échelon du département, pour la vente des brioches, toutes proportions gardées, bien évidemment, en fonction de notre population. Prendre la brioche
puisque nous sommes rassemblés pour ça. Ce n'est pas seulement acheter la voiture. C'est un signe beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus important. C'est ce monde, ce n'est pas le monde, c'est la solidarité. Et c'est quelque chose de totalement différent. C'est pour ça que quand je dis que vous êtes une amie et que je me souviens de ce que vous faites depuis si longtemps, c'était simplement pour vous dire merci pour ce que vous faites, pour vos amis, nos amis, qui sont peut-être différents, mais qui nous ressemblent quelque part. Et c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est essentiel. Ce sentiment de solidarité doit se manifester. Alors à travers vous, merci, bravo pour ce que vous faites, vous en avez besoin. Le fruit de la vente des brioches va pour améliorer le quotidien, vous allez nous le dire d'ailleurs, de nos amis. Et c'est important de participer, encore une fois, dans un monde difficile, dans un monde où l'individualisme est roi, dans un monde où tout le monde se fout de tout le monde, dans un monde où personne n'écoute plus personne. Il est bon de sentir ici, non seulement le poids de l'amitié, mais le poids de la solidarité, et pourquoi pas le poids de l'affection. Écoutez, merci à vous, monsieur le maire, vous m'avez un peu ému, donc... Moi, il a dit que j'étais votre maire préféré. Non, c'est parce que, vous savez, l'amitié et la solidarité, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette, il faut que ça perdure. Voilà. Et ici, sur ce village, ça perdure. Et ça fait chaud au cœur quand on vient à l'air. Alors bon, je vous parlais quand même de quelques résultats, c'est-à-dire que l'opération Brioche 2015 a rapporté pour le département. Nous avons vendu 47 000 brioches pour 195 000 euros. Vous voyez que je ne vous ai pas oublié, pour Alérac, 600 000 brioches pour 4 039 euros. Merci à vous. Alors, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, les sommes utilisées, comme chaque année, sont pour financer le poste de soutien aux familles et aux usagers, c'est-à-dire Madame Desarnaud, qui est au siège administratif, au téléphone et partout, financer l'action sociale et participer au développement des établissements. Et bien sûr, aider aux activités artistiques, sportives, de loisirs, de vacances, des personnes accueillies. Le village ne comptait que 342 habitants. 342. Et aujourd'hui, il en compte 1400, comme vous le savez. Voilà, ça c'était le générique, on va dire, pour essayer de caler comment on était. Les vignerons, ils avaient droit à tant d'alcool suivant les quantités de vignes qu'ils avaient, sauf qu'ils en faisaient trois fois plus en contrebande. Et toutes les bonbonnes d'alcool, elles étaient chez les grands-parents, dans le couloir. Et la nuit, ils venaient chercher des fois qu'ils ont contrôlé Donc quand on rentrait chez les grands-parents, moi j'étais gamin, mais c'était une infection. L'odeur d'alcool, c'est ça. Et après, un autre souvenir, c'est le souvenir des vendanges. Au 42, les vendanges, maintenant on ne s'aperçoit pas comme vendanges parce qu'on ne sent plus rien. L'odeur du raisin écrasé,
du vin dans les caves le soir. Parce qu'il y avait des caves autour du village. Voilà. Et ensuite, l'épicerie, l'ancienne épicerie, la première, qui était Madame Astruc, où il y a maintenant le jardin de Nana, à côté du jardin de Nana. Et qui, quand il y avait les vendeurs espagnols, pour la plupart évidemment, achetaient de gros barils de harangues, des harangues fumées. Et on ne se régalait pas à cette époque-là, parce qu'elle n'en achetait que là-dedans. Et j'ai le souvenir de cette épicerie aussi, de grandes boîtes qu'elle achetait. Pauline Astruc, une petite mémé, qui achetait de grandes boîtes de pain d'épices en forme de cœur, glacées dessus. Mais ça, c'était... j'adorais ça. Et ensuite, nous allions acheter, c'est pas renommé presque, les caramels à un franc, un sou blanc, un fer blanc. Oui, un centime. Le souvenir de ça, et des coquilles avec à l'intérieur du bonbon, un sou blanc. Et des tubes de coco qu'on aspirait. J'ai un souvenir de ça. Et pour revenir à l'épicerie, il y avait Astruc, à cette époque-là, il y avait 4 épiceries au village. Et 3 cafés. Et chez Lafitte aussi. Il y avait chez Lafitte, oui, on allait acheter 4 épiceries. Alors en face de chez moi, chez Risa, qui était basse-cool à l'époque, c'était là, il y avait un orchestre, il y avait une grande tonnelle. Moi, je ne m'en rappelle pas, c'était avant moi. Et là, les gens de 80 ans à peu près peuvent le raconter, ça me le racontait. Il y avait un orchestre là, et où j'ai mon jardin, moi, c'était une remise. La scène était en face là. C'était une remise où on faisait manger les musiciens. Moi je suis là où il y avait les musiciens. À l'époque il y avait 2 balles quand il y avait un bal. Et 2 écoles. Le bal de gauche et le bal de droite. Ah ouais, c'est vrai. En même temps. Et les jeunes, je vous raconte ça, c'est ma mère qui me racontait ça. Ouais. Les jeunes, évidemment, quand ils avaient 14-15 ans, ils n'avaient rien à faire de la politique. Ils voulaient danser là et elles se faisaient virer les filles parce que le père il était là. Non, toi tu vas là-bas. Et le bistrot, c'était pareil. Et les bistrots, c'était un peu pareil. Et à la maison Mélan de Carole, en face de chez moi, les garçons ont des rondelles de bois, fait un joli truc. Et on avait appelé ça la cache. C'était notre premier dancing, tu te souviens. J'avais monté l'électricité là. Avec les roseaux et des éclairages de couleurs par le dessus. C'était joli, on s'est régalé. C'était joli. Et dans le village, vous n'avez pas souvenir de Tucet? Et les virer aux fraises et aux cerises le soir, et après on allait préparer chez les uns et les autres. Moi, les jeunes mères, ils entraînaient avec eux. On entraînait les jeunes, oui, jeunes mères, on l'entraînait tout. On allait piquer les fraises, je ne sais pas, avec des personnes. Avec une ficelle, pas loin, on tapait le marteau de la porte, le type le mettait derrière la fenêtre. Ici aussi, on l'a fait. Alors, avec un cercle, il faut être con quand même, un cercle comme ça, au bout d'un bâton, il y en a un qui était plus dégourdi que les autres, qui lui prenait la tête, et un autre, avec une pompe, tu sais, où tu faisais les lavements aux chevaux. Et il balançait du sang, c'était de la couleur du sang. Et alors le type, je veux dire que je suis une aléracoise vraiment de pure souche parce que je suis née à Galais, à Alérac, et pas à la maternité. Moi je suis née à la maison, avec de l'alcool à brûler dans la chambre. Alors. C'était un 22 décembre et on me demande toujours pourquoi j'ai froid. Alérac s'appelait Leirac, L-A-Y-R-A-C. Dans les actes notariés, les notaires disaient il est venu la famille Vidal de Leirac. Et Aaron Membao à Leirac. Alors, Monsieur Carrier, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous dévoiler votre long parcours. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par votre adolescence. Dès l'âge de 16 ans, vous avez œuvré pour la résistance française. Parlez-nous de cette période si particulière. Oui, bonjour, mademoiselle. Je vous remercie d'être venue, d'ailleurs, et de me rejoindre chez moi pour m'interviewer un tout petit peu. Oui, vous savez, cette résistance française, j'aime pas trop en parler pour la seule et bonne raison, c'est que ça a été très dur. Et très meurtrier surtout. J'étais à l'âge de 16 ans avec mon père dans la résistance, évidemment, et nous nous sommes battus contre cette fameuse division SS, la Das Reich, que beaucoup connaissent, beaucoup d'autres ignorent encore, qui sont trop jeunes. Une division qui était partie de Montauban et qui est remontée vers le nord et qui a été attaquée tout au long du chemin par la résistance, tout au long du chemin. Et dans mon village de Dordogne, Gros-le-Jacques exactement,
Il y a eu un très gros accrochage où il y a eu beaucoup de morts et j'étais là avec mon père et voilà. Et nous avons fait ce que nous avions besoin de faire à ce moment-là. Dans la continuité de la résistance, vous avez rejoint la première armée française en Alsace et vous vous êtes engagé. Oui, effectivement, j'ai rejoint la première armée française en Alsace, général de Latte de Tassigny, et nous avons continué la guerre, la bataille en Allemagne jusqu'à l'occupation, jusqu'à l'issue de l'occupation. À ce moment-là, je suis rentré chez moi et j'ai été renvoyé dans mes foyers et j'ai après pris un deuxième engagement qui m'a propulsé ailleurs, dont nous allons discuter tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de côtoyer de près le général de la Tassigny, puisque à Sigmaringen, sur le bord du lac de Constance, il m'a serré la main et me félicité pour ce que j'avais fait en étant très jeune à l'époque. D'ailleurs, je ne me glorifie pas pour la seule bonne raison, c'est que j'ai fait ce que j'avais besoin de faire. On vous a donc renvoyé dans vos foyers. Quelle est l'étape suivante de votre parcours ? Mais mon étape suivante, ça a été la continuité dans l'armée, évidemment, puisque je n'avais pas d'autre chose à faire. Je n'avais pas de métier dans les mains. J'avais quitté l'école très jeune, à 16 ans, à 14 ans, et il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors donc, j'ai réengagé pour 5 ans au titre des troupes coloniales de l'armée française. J'ai été affecté à l'époque à Toulouse. De Toulouse, j'ai été mis dans les convois qui devaient partir après pour l'Extrême-Orient, où j'ai été pendant 4 mois en Indochine, à Cao Bang exactement, dans la province de Cao Bang. Et puis je n'ai passé que 4 mois pour la seule et bonne raison, c'est qu'il y a eu urgence d'envoyer un contingent sur Madagascar à ce moment-là, où venait d'éclater une rébellion très importante. Il fallait qu'il y ait des contingents qui ne soient pas trop loin et qui puissent accéder à cet endroit-là. Et j'ai passé à Madagascar, toute la rébellion, j'ai passé de 47 à 50 à Madagascar. Et c'est là d'ailleurs que j'ai été décoré de la Croix de guerre et puis d'autres décorations, quoi. Voilà, par ministre. À l'issue de votre carrière militaire, vous optez pour la police de la route. Ce métier a-t-il fait naître chez vous une passion pour la moto ou cette passion existait déjà et vous a incité à exercer ce métier ? Oh, cette passion, je l'avais déjà depuis très longtemps. Je crois que je suis né sur une moto, je crois. Parce que j'en ai fait beaucoup. Après, même dans l'armée, j'ai été pendant très longtemps aussi agent de liaison. J'étais toujours en moto. Mais j'avais eu toujours cette idée de rentrer dans la police de la route si je pouvais. Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis arrivé à force de travail. Et là, j'ai fait une longue carrière qui m'a amené à faire mon métier de policier de la route, mais en plus des compétitions internationales au niveau d'une licence intermilitaire armée qu'on appelait pour faire ces compétitions. Alors voilà, j'ai fait une jusqu'à 23 ans de police de la route. Au-delà de l'aspect professionnel de la moto, vous l'avez également pratiqué en compétition de haut niveau. Oui, effectivement. J'ai profité d'avoir une tolérance de la part de mon ministère pour faire de la compétition de haut niveau. Et en moto, en moto, j'ai été champion de France de rallye pendant 2 fois. Et après, j'ai été champion d'Europe de rallye également, dont le final s'est déroulé sur la piste d'Amsterdam, en Hollande. Et j'ai gagné, et en plus j'ai gagné un Tour de France moto qu'on appelait à l'époque avec des gars qui étaient des compétiteurs de très haut niveau également. Mais je n'ai pas fait que de la moto. Vous savez, j'étais un sportif éclectique surtout. Je voulais goûter à tout. J'étais très fort puisque j'étais classé en haut niveau. J'ai fait du vélo. J'ai été deux fois champion de France de cyclisme, champion de France militaire 100 ans avec une licence militaire, sur route et sur piste, une fois à Lille, une fois à Roubaix. Et puis ça c'était le cyclisme, j'ai eu beaucoup de victoires à Andorra, mais j'ai également pratiqué l'athlétisme où j'ai été champion de France du 100 mètres, vous voyez que je suis assez éclectique comme je vous ai dit.
J'ai fait le 1500, où j'ai été troisième, là j'ai pas pu, parce que c'était pas ma distance, où il fallait que ça soit distance courte ou distance beaucoup plus longue, mais c'est pas ma distance. Alors j'ai fait beaucoup de sport de ce côté-là, et je m'en réjouis, c'était le bon temps, on était jeunes et on était surtout insouciants. Et enfin, vous laissez une empreinte indélébile à Alérac en étant le père fondateur du circuit de motocross. Vous avez organisé des compétitions internationales, pouvez-vous nous en parler ? Oui, ça c'est mon orgueil, ça. C'est quelque chose que, qui restera, comme vous venez de dire, indélébile, je suppose, à Alérac. Et que tous ceux qui l'ont connu, j'ai fait connaître le village d'Alérac, sans prétention aucune, mais disons dans une grosse partie du monde entier, puisque tous les pilotes mondiaux sont passés à Alérac, quoi. Ce circuit magnifique, le circuit d'Escandes, là, circuit magnifique qui existe toujours d'ailleurs, qui a été repris par un gars qui était tout jeune avec moi à l'époque. Et on a fait venir tous les champions en deux décennies, on a fait venir tous les champions du monde qui sont passés là-dedans. Je ne peux pas vous les citer, je les ai tous là, mais enfin tous ceux qui... les gens qui entendront ça ou qui verront votre reportage sauront exactement de quoi on parle, pour la bonne raison, c'est qu'ils savent déjà tous les gens qui sont passés là-haut. Alors c'est quelque chose, je suis très orgueilleux là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me touche de près. Ça a marché, j'ai tenu le coup pendant plus de 25 ans là-haut, donc il fallait le faire. Enfin, vous savez, j'aimerais quand même ajouter un tout petit mot. J'aimerais ajouter que M. Adivez, le maire de l'Irak, mon ami Roger, comme il a l'habitude de dire lui, m'a beaucoup aidé aussi. Et j'espère que ça continuera longtemps. Et je souhaite à ceux qui ont repris derrière moi qu'ils puissent continuer à le faire aussi bien que ce que j'ai fait moi. Merci M. Carrier pour ces confidences et cet agréable moment passé ensemble. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Encore la meilleure façon de passer l'entracte.